La rivière Dordogne, c'est une des dernières rivières en France où on a encore toutes les espèces de poissons migrateurs. Il y a notamment du saumon, de la losse, de la lamproie, de l'anguille et il y a même de l'esturgeon. Ces espèces, en fait, il y a plusieurs bassins versants en Europe où elles ont disparu parce qu'elles subissent de nombreuses pressions. En fait, ce sont des espèces très sensibles. Elles subissent l'effet de la pêche, de la pollution, de la dégradation de la qualité des habitats et bien entendu des barrages. Depuis quelques années, il y a un nouveau facteur qui est rentré un petit peu dans l'équation, c'est la présence du silure qui peut être amené à consommer ces espèces de poissons-là, notamment aux endroits où elles sont les plus vulnérables, c'est-à-dire au pied des barrages. Il est bien approché, ça va, on y va doucement. Voilà, ici, on va partir. Et Nicole, il va prendre l'air. Ça se mange et il faut reconnaître que des restaurants se sont mis effectivement à essayer de valoriser ce poisson avec différentes recettes. Et donc on s'aperçoit que d'année en année, on a de plus en plus de demandes de restaurateurs locaux pour ce type de poisson. Donc c'est déjà un point positif.